Fin d'après-midi, c'est Chantal Roberge-Dupuis. Donc, je vais faire encore la vidéo de soir. C'est plus rare, mais j'ai dit, tiens, je vais en profiter parce que je reste à la maison. J'ai une migraine épouvantable toute la journée. Puis je sais pas à cause de quoi, si... Bon, c'est pas mal tout le temps là, autour du premier, là, en contact avec les propriétaires. C'est tout le temps en contact avec les propriétaires, du coup, on sait qu'ils ont des armes, là. Lequel? Un des deux ou les deux? OK? De toute façon, comme j'explique sur l'autre vidéo, puis sur plusieurs vidéos, ça fait 15 ans. Peut-être plus longtemps, mais de façon, on dit avec torture et violence, ça fait 15 ans. Donc, je continue le dossier qu'on dit la bénéficiaire matrimoniale, puis la bénéficiaire aussi d'aide qu'on appelle l'allocation d'aide du Québec ou le bien-être social, OK, qui est de l'aide temporaire. C'est pas professionnel, comme j'explique, OK? C'est pour vulgariser, pour que les gens comprennent. Si tu comprends comme ça, si cette vidéo-là, tu la comprends pas, essaye d'en trouver une que tu vas comprendre. C'est surtout ça, l'objectif, c'est vulgariser, OK? Puis c'est de dire, comme j'ai dit, bravo, 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 OK? Parce que pour certaines personnes, ça peut être un très grand malaise de vivre bénéficiaire matrimonial à temps complet. Donc, bravo, bravo. Pour d'autres, c'est où il y a de l'abus un peu. Est-ce que ça rentre dans l'ordre de la fraude et du vol et peut-être de la criminalité? Puis pour d'autres, c'est oh là, il y a trop de retenue puis de restrictions là. OK? T'as le droit, t'en fais beaucoup à la maison. Puis ça fait partie de cette période-là de la vie que tu es bénéficiaire matrimonial. OK? Donc, puis il y a peut-être d'autres choses aussi, mais on va surtout autour de ça, là. Là, ça, c'est un livre de méga croisé. C'est pas ça, mais je l'utilise à cause que... Fais juste retenir trois, OK? Entre, on dit, il y a trois différences. Puis dans les trois différences, ici, il y a un échelon de 1 à 10, admettons, de 1 à 10, de 1 à 10. Ici, tu peux aller en prison à perpétuité. Puis dans certains pays, tu vas être exécuté. OK? Ici, si tu montes jusqu'à 9-10, tu vas peut-être que Chantal, elle va te dire comme suggestion, vérifie voir si il n'y aurait pas des gros bobos de ce qu'on appelle... la peur du rejet, de l'abandon de son conjoint ou la peur du rejet, de l'abandon du pays que tu es reçu, ok? Trop, c'est comme à l'inverse, abusé ou bien bravo, bravo, ok? Si tu es à 9-10 ici, je veux que tu ailles chercher de l'aide, là. Je veux pas que que ça devienne quelque chose, là. OK, tu es le bienvenu de recevoir de l'aide ou tu es la bienvenue. Donc, c'est au conjoint de rassurer sa conjointe, dire tu es la bienvenue. OK, c'est moi qui supporte les dépenses. Dans l'exemple de la bénéficiaire matrimoniale. Et en plus de plus, si elle est ce qu'on appelle immigrante, admettons un homme québécois qui marie une femme, admettons dans l'exemple, un homme québécois marie une africaine, OK? Il se rencontre, il va la rejoindre en Afrique, il se marie, il revient ici, OK? Donc, où se situe, puis qui se situe où? La femme se situe où? Puis le mari se situe où? Okay? Puis peut-être qu'on peut rajouter les enfants aussi. Okay? Dire, il y a des enfants qui sont nés de cette union-là. Sont-ils encore ensemble ou s'ils sont séparés? Est-ce que déjà l'enfant peut voler puis frauder? Ou peut être déjà très mal à l'aise d'être dans un autre pays, puis d'une autre couleur, puis d'être séparé, puis tiraillé à un tel point que ça peut aller jusqu'à vouloir mourir? Okay? Ou tout va bien? Je veux vraiment que tu demandes de l'aide. Si t'es proche d'ici, là, Chantal est là. OK? Je suis ta tuteur. C'est là qu'on dit, s'il y a quelqu'un qui met une barrière à ça, tu vas être en de plus accusé de très grave. Tu comprends-tu? Comment t'es colon? Tu comprends-tu comment t'es colon? OK?
Mis à part un mal de dos, là, puis de la torture, il n'y en a pas de problème. Donne-moi ce que tu m'as volé, ce que tu m'as pris, puis va signer ta crise de déclaration de violeur, d'empiéteur, de manipulateur, puis de tueur. Puis tes assurances vont payer. Je vais te dire à tous les jours, tant qu'aussi longtemps que les crises d'enculés vont rentrer ici, que ça va être présent comme ça, il n'y a rien de réglé. Je vais être ta borne qui va te dire, il n'y a rien de réglé. OK? Donc, je continue. Là, on dit, on va lire, tiens, on va lire un biscuit chinois. Parce que là, il faut effacer ça, mais il faut que je le dise. Puis partage! Tu dois partager à plus de monde possible cette vidéo-là. Je suis pas la seule dans cette situation-là. C'est grave! Du coup, tu vas peut-être même sauver des compagnies comme Bombardier, OK? Tu veux-tu le faire piquer, cette grand fly-là? Combien de millions de Bombardier va sauver, tu sais, au cas où? Parce qu'on cherche le dominateur commun, c'est qui? Quand tu apprendras que la plupart des femmes qui vivent ça, le dominateur commun, c'est le père de tes enfants. OK? Ou un membre très proche de ta famille.